Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle série Ark PVP en solo cette fois-ci. Alors je vais tout vous expliquer quand on va commencer. On est sur un nouveau serveur, voilà, c'est un serveur pareil choisi au hasard. C'est un cluster, je vais directement créer mon nouveau survivant. Et on va parler de tout ça, qu'est-ce que ça va être, quel est le but. C'est bon, je suis arrivé, bon du coup, écoutez, level 0 et tout ça. Le but alors, l'idée, ça va être de vous montrer, entre guillemets, comment faire un start ultra rapide. Je vais essayer pour level up le maximum possible parce que sur ce serveur, tout simplement, l'expérience est à x1, sinon tout le reste est en x5, je crois bien. Et en gros, voilà, là l'idée pour commencer, ça va être de rush les notes pour gagner un maximum de level pour se casser le plus vite possible et aller à l'emplacement de notre base. Alors vous allez voir ça, alors je vais mettre le petit skin sur la pioche dessus, c'est toujours sympathique. Et on va se barrer. Et en gros, l'idée, ça va être quoi? De jouer en solo. Et d'essayer d'impacter un maximum les grosses tribus. D'ailleurs, je vais directement appeler ma tribu le Cunu Justicier. Voilà. Et en gros, l'idée, ça va être, voilà, comme je le disais, d'attaquer les grosses tribus. Et d'essayer, de donner leur stuff et le bon stuff qu'ils ont aux petites tribus. Voilà, pour les aider et tout ça. Alors, je sais pas si ça va être faisable, hein. Mais c'est l'idée, en gros. Essayer d'être justicier sur le serveur. Et ça sera pas mal si on arrive à faire ça. Franchement, ça sera pas mal. Parce que là, récemment, je me suis un peu intéressé au PVP. Et j'ai trouvé quelques techniques de raid qui peuvent être très sympathiques en solo. Et qui sont extrêmement puissantes. Un peu cassées, même. Un peu cheatées. Mais bon, c'est pas grave. Sans tricher, évidemment, sans tricher. Alors, donc, aussi, ce dont je vous parlais, c'est ces notes-là, là. Voilà, les petites notes. Voilà, nouveau niveau disponible, 11 niveaux d'un coup. Et là, vous voyez en bas, 528, 527, c'est le nombre de secondes pendant lequel j'ai un bonus d'expérience. Donc, c'est pour ça que c'est très très intéressant. Là, tout ce que je fais, je gagne beaucoup plus d'expérience que si je le faisais sans ce bonus. Et c'est pour ça que faire un petit rush sur ces notes, c'est quand même pas mal au niveau du début de game. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on a fini notre petit chemin de notes. Donc, on va level up comme un dégénéré ici. Et pour ça, y a une petite astuce que nous a appris Starkey dans la série précédente. Combien de level pour ce dernier radeau? Après, je vais arrêter là, je pense, pour le radeau. 2 levels. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Hein. Ça commence à être pas foufou. Peut-être en poids, je vais en rajouter un peu jusqu'à 600, je pense. Voilà, très bien. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va aller là où il y a écrit base. Vous voyez qu'il y a un spot à ressources à côté, je l'ai noté. Il y a deux autres endroits en bas à droite où il y a écrit base, mais je sais plus pourquoi. On va remonter du coup avec le radeau par la mer, en prenant le moins de risques possible. Et puis après, tout simplement, ce sera la fin de l'épisode quand on arrivera à la base. On n'y est pas de suite, hein. Vous inquiétez pas, on n'y est pas de suite. On va boire un coup avant de partir et on se casse. Voilà. Enfin. Hein, c'est parti. C'est parti pour l'aventure. L'aventure PVP solo. C'est parti. Et on est échoué sur un rocher. Non, c'est bon. Vraiment, ça me bute. Y'a rien. Rien dans ce jeu qui marche droit. Donc là, tout simplement, je quitte le spawn. Voilà, j'ai enfin fini. Je suis level 71 en 20 minutes à peu près de jeu. Je pense que c'est pas mal. L'aventure du PVP solo nous attend. On va d'abord se rendre à côté de notre base. Et ensuite, il va falloir y aller. Ça va être très dangereux à pied. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est arc, hein. Bon, vous voyez qu'on n'y arrive pas de suite, hein. Le bateau, c'est pas le moyen de transport le plus rapide. Donc je vais faire un petit coup vite fait et on se retrouve quand je suis arrivé. Terre en vue, ça y est, je suis enfin arrivé. Mais qu'est-ce que ça a été long. En plus, je sais même pas si je suis vraiment au bon endroit. Je pense que oui. Je pense que j'arrive au bon endroit à peu près. Parce que si je me plante, évidemment, c'est un peu la catastrophe. Donc, on débarque ici. Voilà, on va débarquer là, ça me paraît bien. Voilà, très très bien ici. Voilà, enfin. Ça y est, c'est bon, on est arrivé. On est enfin arrivé, alors je vais récupérer ça là. Bon, je vais attendre un peu, il en reste que 6 à faire. Ok, on va récupérer un peu de bouffe. Que je vais mettre là. Voilà. Est-ce que je pourrais pas me faire quelques trucs là sur le avant de partir? Bon, faut faire attention à la faune sauvage surtout, je pense, ici. Là, il n'y a pas trop, vous voyez qu'il n'y a pas trop de construction de joueurs hein, sur la plage, donc ça va. Logiquement ça devrait se faire. Niveau joueur on devrait pas en croiser beaucoup. Et du coup là l'intérêt c'est de continuer à faire notre petite route de notes. Parce qu'il y en a encore ici. Tout est calculé, je vous ai dit. Tout est calculé poil de... Hein, vous m'avez compris. Donc petite note ici encore. Voilà, sur le chemin. Hop là, le petit caca sur au passage. J'ai pris 0 level. Ok. D'accord, c'est bon à savoir. En même temps, j'ai un gros level déjà, mais bon. Et là, voilà. Et là, vraiment. What?
Là, faut faire gaffe à la faune, comme j'avais dit. Hop là, le smilodon, tu veux quoi en fait? Il veut 119 le bâtard. Ça crève. Il y en a un autre? Mais quoi? Attendez. Il y a un bruit. J'ai froid en plus. Dégage. Attends, mais mes bolets. Il y a bolets illimités ou quoi? Allez, dégage. J'ai fait un. Oh, ça part en cacahuète en deux secondes. Attendez, mais regardez mes bolas là. Je vais en jeter un. 5 encore. Ok. Ah, c'est bien ça. On s'approche, on s'approche, on s'approche. Donc là, du coup, l'idée, c'est de trouver un spot caché. Je l'ai en tête, ne vous inquiétez pas. Je vous dis, tout est maîtrisé. Un petit spot caché. Parce que vu qu'on est solo, ben, on va pas pouvoir créer une énorme base. Et vu qu'on va... Alors, le but, c'est d'essayer d'embêter tous les joueurs du serveur. Enfin, les gros, en tout cas. Ben, vaut mieux pas être vu. Et du coup, ça va être ici, notre spot, tout simplement. Parce que, ben, comme je vous ai dit, il faut être caché. Et vous allez voir qu'on va être très très bien caché là-dedans. Parce que de ce côté-là, bah, y a des rochers. Voilà. Il y a des rochers qui nous protègent, qui nous cachent. De ce côté-là, bah, y a des rochers. Encore. Encore des rochers, des rochers, des rochers. De ce côté-là, un arbre. Voilà, là, ici, des rochers. Enfin, en gros, on est vraiment giga planqué ici. Donc, ça va être très bien de faire la base bah, à peu près ici. Hein. À peu près ici. Alors, ça va être une toute petite base où je vais essayer de tout faire rentrer dedans. Alors, il va falloir que j'apprenne des engrammes pour ça. Faire gaffe, il y avait des allosaures à côté. Est-ce que je peux mettre un petit sac de couchage au cas où je meurs? Yes. Quoi? Ennemi structure? Quoi? Comment ça, il y a des structures ennemies? Comment ça, il y a des structures ennemies ici? Non, oh, je suis au bout de ma vie. Explorers and 26 fondations de building. Ah, je suis dégoûté là. Comment ça, il y a des structures ennemies ici? Non, mais c'était un super bon spot. Je suis au bout de ma vie là. Je suis au bout de ma vie. Pour en trouver un autre, du coup. Tiens, j'ai mis 15 ans à trouver ce spot. Ah, ça me saoule. Ça, parce qu'il y a un mec qui est venu s'installer chez moi là. Bon, bah, du coup, changement de programme. Hein. Je suis deg. Je suis deg, je suis deg, je suis deg. Ici, c'est pas assez caché, ça. Je vais me faire bolossade. Vas-y, casse-toi, la hyène. Oh, putain, il y en a plein. Non, 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 non. Les hyènes, barrez-vous. On est coincé, là. Là, c'est pas bon. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Genre, en plus, je perds de la vie, quoi. Non, 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 non. On va manger. Vas-y. Barrez-vous. On va se mettre un sac de couchage, là. Ok, ici on peut. Très bien. Elles sont où les hyènes? Vas-y, c'est pas possible. Voilà, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, mais c'est cramé ici là. Après, il y a la neige, je vais avoir trop froid à ce côté-là. Là. Non. Casse-toi. Casse-toi. Après, c'était la meilleure. Hein. Je vous dis, j'avais arpenté toute la forêt. J'avais fait tout le tour de toute la forêt et c'était vraiment le meilleur coin. Vas-y, tu veux quoi en fait? Barrez-vous! Me fais agresser! Ouais, je suis empoisonné. Non, mais ça part en cacahuète mon aventure déjà. Oh, c'est bien là. Oh là, c'est pas mal ici. Là, c'est pas mal du tout. Mais par contre, j'ai des ennemis au cul. Attends, qu'est-ce qui me court après là? Ah non. Il y a des mouches. C'est l'enfer. L'enfer. Elle m'a encore empoisonné, ces saloperies. Ah, il fait pas trop froid ici en plus. Mais genre, mourez, vous êtes des mouches, vous prenez une flèche. Wouah, je me suis fait bolossade. Y'a quoi les mouches là en fait? C'est des libellules là, pas des mouches. Respectons les animaux. J'aimerais bien que ça s'arrête. Cessez cette mascarade. Ok. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Mais meurs. Et toi tu veux quoi le Dilo là? Il y en a encore un. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre.
Bon sang de bois. Ok, bon, du coup, ici, c'est pas mal. Hein. Ici, c'est pas mal. Là, il y en a un autre aussi de spot. Ouais, non, là, c'est pas terrible. Celui-là, il est bien, en vrai, je pense. Hop là. Ouais, celui-là, il est bien. On va tester, hein. On va voir si c'est cramé ou pas. Alors, ouais. Collé au rocher, c'est cramé. Ici, là, peut-être. Alors là, d'ici, ça se voit pas. Clairement pas. D'ici, ça se voit pas non plus. Ouais, bah, il est bien, ce spot, en vrai. Tout pas mal. Alors, il est ici, ouais. Je peux avancer une fonda là. Et ça va se voir, hein. Ça va se voir, du coup. Et ouais, ça va se voir. Bon, ça va être la galère à construire. Putain, vraiment, je suis au bout de ma vie. Il était trop bien, notre endroit, là. Alors, évidemment, faut pas farmer les ressources qu'il y a juste à côté de chez moi, hein. Si je farme les ressources qui sont juste à côté, il ne va plus rien avoir à côté de chez moi, et donc du coup je vais être carrément vu. Donc faut éviter au maximum. Faut farmer un poil plus loin. Et vous allez voir la base, elle est vraiment pensée pour tout faire rentrer dans un tout petit endroit. On va essayer de le faire. Voilà, et du coup regardez ça, comme c'est magnifique. On ferme. Ferme, ici. Parfait, ça s'ouvre du bon côté, on est content. Et voilà. Et là, on est vraiment bien. Moi, je vous dis. Moi, je vous dis, on est planqué ici. Bon, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable comme lieu de vie, mais je vous dis qu'on est vachement planqué. On est vachement planqué. On sort un petit peu là pour voir. Regardez ça. Il y a cet endroit-là. Bon, évidemment, si tu es à côté de la base, tu la vois, quoi. Mais si tu passes un peu loin. Après, je vous dis, c'est pas le meilleur endroit. L'autre endroit était mieux. Hein. L'autre endroit était quand même mieux. Là, on la voit pas, la base. Là, on ne la voit. Ben, on la voit absolument pas. Là, on la voit pas non plus. Même de loin, forcément, on la voit encore moins. Si on fait le tour de ce côté. Ben, on la voit pas non plus. Hein. On la voit pas non plus parce que forcément, elle est derrière les rochers. Donc, vraiment. Vraiment, c'est pas mal. Vraiment, c'est quand même pas mal. Bon, ici, ouais, on la voit un peu, mais il faut avoir l'œil. Là, il y a des hyènes qui vont m'attaquer. Eh les hyènes, vous êtes où là? Faites quoi? Bah vous. Ok. Ouais, dès que j'ai le dos tourné, c'est ça l'idée? Barre-toi. T'es morte ma pote. Tiens dans ta gueule, j'ai besoin de tout ce que tu as. Allez. Voilà, allez. Un dernier meurtre avant la fin de l'épisode. Allez, c'est dead tout ça. Y'a quoi là? Argent de ta vis. Bon allez merde. Y'en a deux. Ok, allez on s'arrache. Elle est où ma base? Ouais c'est quand même pas mal. Allez, on se casse. Ouais je pense qu'on est vraiment bien. Bon, il y a un petit peu de végétation à l'intérieur, mais ça nous permet de nous cacher. Et ça nous rappelle qu'on est des enfants de la terre, qu'on doit être proche de la nature. Bon, écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, un petit start assez rapide. J'ai essayé de faire rapide. Je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé pour cette première vidéo. La base est construite. Donc justement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est bien caché? Ou est-ce qu'on peut faire mieux? Je parle comme ça, une petite base. Hein. Je vais pas faire plus. C'est à peu près tout pour moi. Lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Si vous l'êtes pas, évidemment. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est... Ciao tout le monde.